fond, il est tellement creusé. Ah, comme c'est beau là. Youh. Oh, il y a là, il y a un racer là. Et ça enchaîne. Yo les gars, c'est Vincent. Je suis au sommet du coup de la qualif de la méga avalanche avec Johan. Salut, salut. Qui lui fait sa quatrième, non, ça va être sa cinquième méga avalanche, donc il connaît quelques petites lignes. Moi, je connais pas. On a fait une petite reco hier. Et puis, donc du coup, je vais le suivre et on vous embarque avec nous. On espère que ça va bien se passer. J'ai une petite... comment est-ce qu'on dit? Petit squack. Hein. Petit squack. Voilà. Il va y avoir quelques petits névés à traverser. Et puis après, on essaye de faire ça propre, pas crever. Rouler propre jusqu'en bas, ouais. Ça devrait faire à peu près 20-25 minutes, allez. Allez, 25, ouais. Allez, c'est parti. Poum yes. Ça tourne, ça on défile. Ah, et puis, on le répétera quand même jamais assez. Un petit garde-boue. Alors vous prenez celui que vous voulez, celui-ci c'est un Slicey Olaps qu'on a fait en partenariat du coup avec Slicey, quel design Olaps. Si vous soutenez le projet, que vous regardez souvent nos vidéos, ça ferait trop plaisir de vous voir rouler avec ça. Et puis sinon, si c'est autre chose, tant pis. Mais en tout cas, ça aide tellement là dans les trucs de neige et tout, dans les coulées après de les petites rivières. Ça évite de s'en prendre plein la courge. Ça évite de s'en prendre plein le museau. Voilà. La muselière. La muselière. Bon allez, partout. Bon, let's go. Allez. C'est parti le start. Allez, ça part d'ici, ça partira en mass start à 160 en même temps. Oh, il prend les inters. Allez, ces inters, ils vont beaucoup plus vite. Allez, là, on va arriver sur le dernier virage. Hop, la grande ligne droite. Et à la fin... Fais gaffe de pas crever d'entrée de jeu. Là-bas, quand on rentre dans les pierres. Hop, on allège le bike. Allez, premier névé. Oh, il est tellement creusé. Dré dans l'ornière. Et là, faut que ça repédale fort. Le coup du scorpion. Oh merde. Attends. Ah, une chute sans preview. C'est quand même pas très drôle. Non, une preview sans chute. Hop. C'est ce que tu vas faire? Ah ouais. Hop. Pour le coup là, le garde-boue il peut rien faire. Hein. J'ai fait un face plant. Et ça repart! C'est ghetto, c'est tellement mou! On est en plein après-midi!
Hop. Et là, il y a une relance de cochon. Il va falloir sortir les cannes. Oh mon gars, j'ai fait un espèce de scorpion. Magnifique. Faut bien ralentir avant de rentrer dans la neige. Ouais. Mais surtout que j'ai voulu rentrer. J'ai voulu rentrer dans la ligne à côté de toi. Ça n'a pas du tout marché. Là faut relancer comme un petit peu. Ouais, là faut tout donner en vrai. Reprendre des places. Ou au moins ne pas en perdre. C'est ça. Ouais, comme c'est beau là. Ah, il arrête pas de m'envoyer des trucs dans la tête. Salaud. Ça tire en double. Oh putain de merde. Youhou. Joli. Hop. Oh. J'ai perdu. Le salaud. C'est bon. Ah excuse, j'étais en PLS. Ouais. Ça roule. Attention, je passe à gauche. Ouais. Cheers, man.
le salaud. Tu l'as freiné au mauvais endroit. Ah, c'est bien stylé, moi j'aime vraiment bien cette partie. Par contre, j'arrive vraiment pas à parler. Certains diront tant mieux, certains seront déçus, j'en sais rien. Ouais, les trous de freinage dans les virages, ça tape tellement les mains. Hop. Oh, il y a là, il y a un racer là. Merde, je t'ai perdu. Ah. Yes, et là on est dans le tracé des championnats de France de DH. Et on vient de sortir. Dès qu'on voit les poteaux, là les poteaux noirs sur le côté. Et ça aussi vous aurez la preview sur Relapse avec Alex Monnier. Oh, il a la ligne ghetto. Yes. Là, il y a un saut, je ne sais pas si on va pas le prendre. Hop là. Ouais. Là, les gars, ça commence vraiment à piquer. Je pense que c'est un peu de gestion de course pour pas se sortir. Là, une compression de l'espace, hop, quand t'es bien cramé, faut faire gaffe. Watch out. Qu'est-ce que ça dit, mon baleine? Il a mal aux mains. Moi aussi. Oh, c'est Bagdad, il y a des pierres qui roulent de partout. Et ça enchaîne. Là, il y a un truc en un peu flanc de falaise, comme j'aime pas trop. Ça me fait un peu peur, ces trucs. Je sais pas si vous kiffez. Moi, je sais que c'est pas trop ma tasse de thé là. Ça va être après. On voit que j'ai fait les très bonnes recos, je me souviens même pas. Oh. Quelles sont tes impressions jusque là? Quelles sont tes impressions jusque-là? Ça tape tout le monde. Ça quoi? Ça
Ça tape des mains. Ah ouais, tu trouves? Il faut pas y aller fort fort, sinon tu crèves. Donc gérer tes lignes. Gérer ses lignes. Faut pas y aller trop fort, sinon tu crèves. Et ça tape les mains. Voilà ce qu'il dit. Ah voilà, moi c'est ça que j'aime pas trop. Parce que c'est pas le petit filet qu'il y a sur le côté qui va te retenir, je te le dis. Relance de gorée. Et là on va arriver sur une piste de bike park, piste bleue il me semble, avec des petits jumps. Où il faut faire gaffe de ne pas s'overshooter d'ailleurs. Ça c'est le genre de merde qui peut te sortir. Ouais. La photo, la photo! One foot! Youhou! Ah, là, faut que ça roule parce qu'en vrai, le terrain il accroche un peu. Garder du flow, pousser dans les trous. Oh là là, faut pas faire ça. Allez, mon baleine! C'est bientôt la fin! Qu'est-ce que ça dit là-haut? Vous y voyez quelque chose ou pas? Là c'est ouah, overshoot sur overshoot. Hey. Il se secoue les mains, dit. Et là on va arriver sur une section qui est tellement drôle. En gros c'est des whoops, mais qui ont été faits pour le ski. Donc des gros whoops, des gros mamelons. Ah, j'arrive pas à parler. Et du coup tu décolles derrière, c'est vraiment marrant. Oh. Ah là faudra rien lâcher. Vraiment pas comme je suis en train de faire. T'es prêt pour les mamelons? Oh yeah. Oh yeah. Ah, cette espèce de faux plat montant. Quoi que je passe, c'est montant. Peut-être juste un plat. Faux plat montant ou faux plat descendant? Juste un truc où il faut pédaler. Et j'ai l'impression que ça fait depuis le début qu'on dit qu'il faudra tout donner. On va pas pouvoir tout donner tout le long, hein. Faut sortir la gentiane. Ah oui, la fameuse. La gentiane. La gentiane dans le bidon, c'est là où elle va faire la diff. Vraiment. Ce petit coup de... Ce petit shot qui fait plaisir. Qui vient un peu trop donner du sang et de l'air. De l'oxygène. C'est ça les bienfaits de la gentiane, non? Eh oui! Wow. Bienfait métaphysique! Métaphysique!
Ah, tu te réserves là, hein. Allez, allez. Allez, c'est bientôt la fin. Dernier sprint parce qu'on arrive jusqu'à l'Alpe d'Huez et on voit le village qui est en face de nous. Et là, les mamelons! Oh, ça mamelonne! Ça va de plus en plus vite. Ça décolle de plus en plus. Youh! Youh! Whoop! Wouh! Ah oui! Celui-là, on l'avait oublié. Là. Hop. Dernier virage à plat. Hop là, il y a une grosse pente derrière, faire gaffe. Viens remettre le pied à temps. Oh, compression. J'y vois rien avec Yo devant du coup. Allez, on y est, c'est le dernier virage. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Mettez des likes, partagez si vous voulez qu'on continue à faire des previews comme ça. Ça fait super plaisir. Yo, merci. J'aurais pu te mettre. Oh. Est-ce que je lui mets avant la fin? Non. Merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est la fin! Youhou! We made it to the end! Still alive! Yes, baleine! Au top! Et bien, on vous publie tout ça, on vous publie aussi la preview des finales, le run de qualif, le run de finale. Et voilà, allez, tchuss!